Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Gémeaux, allons-y. Bon, on se cogne, on se martèle les doigts. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se sent coupable? On se juge? Oups, une carte est tombée. Juste un moment. Je l'ai. OK. Enfin. Qu'est-ce que ça signifie? Enfin. Juger, se culpabiliser, enfant. On cogne sur les doigts de l'enfant en soi, d'un enfant. De quoi est-il question ici pour le signe du Gémeaux? C'est un message pour le signe du Gémeaux. Donc là, ici, quand on regarde bien l'image, il y a énergie de violence. On se fait du mal ou on fait du mal à l'enfant. Je ne sais pas si en ce moment, on est un bon parent pour soi ou pour l'enfant. Continuons. Gémeaux, signe d'air. Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Quel est le message pour toi aujourd'hui, Gémeaux? C'est le masculin qu'on me présente. Une figure d'autorité. Une figure d'autorité, le masculin. On peut nous parler du père. Là, si on regarde cette carte-là et celle-ci, je peux me demander quelle sorte d'autorité. Quelle sorte d'autorité qu'il utilise pour avoir le contrôle sur une situation, sur l'enfant. Là, on peut parler aussi de notre enfant intérieur, là. Quelle sorte de parent, quelle sorte de père sommes-nous? Pour soi-même. Ou bien on nous parle d'une personne qui a vécu de la violence venant d'une figure d'autorité lorsqu'il était enfant. Donc là, on est en contact avec l'énergie du masculin, énergie du père, figure d'autorité. Quelle sorte de contrôle il exerce. On va continuer. Continuons. Pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. La carte de l'autorité représente la personne qui agit concrètement, qui trouve des solutions lorsqu'il rencontre un problème. C'est la personne qui trouve des solutions, qui se sert de son côté logique, qui sait gérer ses émotions. En ce moment, je me pose des questions quand je regarde ces deux cartes-là.
On dirait qu'il y a un dérapage. Oups, j'ai pris deux cartes en même temps. Mouvement positif vers l'avant et la carte mécontentement et ennui. Qu'est-ce que ça signifie? Mouvement positif vers l'avant, on a le goût de quoi quand on regarde la carte? Un goût de légèreté, de paix. Ici, mécontentement et ennui. Irritabilité. On peut se sentir en colère. On rencontre de l'insatisfaction à l'intérieur de soi. On tourne en rond. Ici, moi, je ressens un goût de liberté, de légèreté aussi. Continuons. Gémeaux. Signe d'air. Repos et rajeunissement. On a peut-être besoin de repos. C'est la carte qui nous le conseille. On a peut-être besoin ici d'aller se ressourcer. Gémeaux, signe d'air. Passer à autre chose. C'est une carte de changement. On quitte une situation. On quitte, on met fin à un comportement. Bon, on prend la décision de... Je peux très bien être une femme et avoir une décision à prendre. À prendre avec la carte de l'autorité. Je décide de mettre mon pied à terre. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus endurer en votre jeu. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus endurer. Ça ne passe plus. On veut prendre une nouvelle direction. On a besoin de paix ici. Repos et rajeunissement. On lâche le contrôle ici. Je vais explorer les cartes pour le signe du Gémeaux. Je vais explorer la carte de l'autorité. Il y a quelque chose qu'on ne tolère plus, d'après moi. Moi, je regarde son visage. Je le regarde, là, puis j'ai l'impression de voir une personne qui met son pied à terre. Une personne décidée. Il y a quelque chose qui doit changer ici. Il y a de la violence. Un enfant a besoin d'être protégé. La carte du masculin, la carte de l'autorité, joue-t-elle son rôle de protection? Habituellement, la carte du masculin, du père, protège. Est-ce que l'enfant est en sécurité en ce moment? Ah, il y a quelque chose qui va devoir changer ici, dû à ces deux cartes. On va prendre position ici. Il y a quelque chose qui ne passe plus. Ça ne passe plus. Il y a un comportement qui doit être modifié, changé. Je vais explorer, avant d'aller explorer la carte de l'autorité, je vais explorer mécontentement et ennui. C'est elle qui m'attire finalement. Mécontentement et ennui. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? L'eau. C'est la carte de l'eau qu'on me présente. Les émotions. On veut mettre fin aux ennuis. Bien là, je regarde la carte ici. Mouvement positif vers l'avant. Mécontentement et ennui et l'eau. Je pense qu'on veut mettre fin aux ennuis.
On le sait qu'on doit opérer un changement. Il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit s'arrêter. Il y a ici, là, moi, je regarde la personne, là, son visage, et j'ai l'impression, là, ici, que on va mettre un stop à la violence. Ici, il y a jugement, on se cogne. Il y a quelque chose ici qui se passe de malsain pour moi, avec l'enfant. Peut-être qu'on agit comme ça envers soi-même. On se juge, on se cogne sur les doigts, on se cogne sur la tête. Comme on peut aussi avoir des comportements violents envers un enfant, étant donné que c'est l'enfant qu'on me parle. Ici, là, d'après moi, on veut opérer un changement. On ne sait pas quoi faire. On a une décision à prendre. La carte de l'autorité a une décision à prendre. C'est en lien avec la gestion des émotions. La carte de l'autorité, habituellement, lorsqu'elle est à l'endroit, bien là, je les pige à l'endroit, les cartes, mais la carte de l'autorité est une personne qui apprend à gérer ses émotions. En ce moment, je rencontre une personne qui a de la difficulté à gérer ses émotions, étant donné qu'on me présente la carte de l'enfant. Et le marteau, on se martèle sur les doigts, les mains, la main. On se juge, on se sent coupable. Il y a quelque chose ici qui doit se transformer. Les émotions. Oh, mécontentement et ennui. On a le goût de légèreté. On a le goût. On a besoin ici de repos. J'ai comme l'impression qu'on est dans une atmosphère, un climat, un environnement où il y a présence de violence. Pour moi, il y a un enfant, que ce soit vous, que ce soit votre enfant intérieur ou un enfant qui est à l'extérieur de vous, on a besoin d'être protégé, d'être en sécurité, et c'est la figure d'autorité qui doit jouer un rôle ici, pour moi. Qui doit prendre position. Mouvement positif vers l'avant. Lumière, soleil, paix. L'eau. Et mécontentement et ennui. On veut mettre fin aux ennuis. On a besoin ici de repos, de calme. On a besoin d'être dans un environnement calme. On me parle de passer à autre chose, opérer un changement. Il y a quelque chose qui doit cesser et c'est la carte ici. Gémeaux. Signe d'air, je vais déposer une carte sur passer à autre chose. C'est une décision que l'on prend. On laisse derrière soi. On laisse derrière soi ici. On s'en va vers quelque chose de plus léger, plus lumineux. On met fin à une situation. On met fin à un comportement. Stop! On met notre pied à terre, c'est décidé. On prend une décision. Ça suffit. Passer à autre chose, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Gémeaux? Lumière. Exactement. On voit clair maintenant, on comprend. On voit ce qui se passe. On a les yeux ouverts. Lumière, soleil. Lumière, lumière, soleil. On est conscient, consciente de la présence de violence, de comportements violents. À vous de voir si on me parle des comportements violents que vous avez envers vous-même. Ou si on me parle de violence faite envers un enfant. Bien ici, on est conscient, consciente maintenant. Ça va changer.
Autorité, qu'est-ce qu'on a à me dire ici pour la figure d'autorité? C'est le leader. La carte de l'autorité représente le chef. On pourrait penser à un chef de famille, étant donné qu'on me présente l'enfant. C'est une figure d'autorité. Départ. Bien là, je regarde ici départ, passer à autre chose, lumière, besoin de lumière, lumière, départ, on change d'orientation. On prend une nouvelle direction. Départ, on quitte une situation. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça prend un changement, absolument. On prend position aussi. Nouvelle direction, changement d'orientation. Même chose ici, passez à autre chose. À vous de voir ici comment vous allez opérer le changement. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause, signe du Gémeaux. Et je vous souhaite bon courage. Bonne journée.